Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo d'hier, on va dire, de la pocket letter d'Halloween. J'ai reçu, non, ne te mets pas devant, mets-toi ici, voilà, merci. J'ai reçu la pocket letter de Laetitia. Bon, ça y est, t'as fini, t'es installée. Oh, c'est pas vrai. J'ai reçu la pocket letter de Laetitia. D'ailleurs, hier, je vous ai mis le lien de sa chaîne. Je vous remettrai aujourd'hui sous la vidéo. Donc, je vais vous montrer la pocket qu'elle m'a envoyée. Donc, je n'avais pas fait la vidéo avant. Je l'ai reçue hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je vous la montre aujourd'hui. Donc là, elle m'a fait une pocket letter. Alors, je sais que c'est, je crois que c'est sa première. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'elle s'est mise au scrap. Je crois qu'elle s'est mise au scrap depuis le mois de mai, à peu près. Donc, mais c'est très très bien. Là, du coup, elle m'a fait une pocket letter qu'elle a dessinée et coloriée. Pardon. Donc, c'est très très bien et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors. J'espère que ça ne va pas trop refléter. Voilà. Donc le thème c'était Halloween. Je vous rappelle que c'était un échange que l'on faisait sur mon groupe. Maintenant sur mon groupe on fait, là c'est la deuxième fois, on va faire régulièrement des échanges de pocket letter. Voilà. Pourquoi pocket letter? Parce que bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. Pour les filles qui n'ont pas l'habitude, c'est moins onéreux également, c'est plus rapide. Donc voilà, parce que bon, on peut faire. Bon, je ne dis pas que je ne ferai pas peut-être des échanges de petites books de temps en temps ou quoi, mais bon, les pocket letters, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est assez simple, comme je vous dis, rapide, simple, pas onéreux. Et ça plaît à tout le monde. Voilà, même qu'on soit débutante ou pas. Voilà. Donc, elle m'a fait donc cette jolie pocket. Donc, Happy Halloween. Avec une jolie citrouille, avec une fifille qui sort de la citrouille. Le petit clin d'œil, comme elle m'a dit, qu'elle a fait. Là, une main qui sort du cimetière. Oh, ça fait peur. Et derrière, comme les pocket letters le demandent, les petits cadeaux. Voilà. Donc, on va regarder en détail les cadeaux qu'elle m'a mis, les petits goodies. Donc, des brades. Voilà. Donc, fleuries avec des roses. Donc, sont superbes. Des petits tags en 3D. Des tags en liège. Alors, je n'en ai pas encore vu, mais comme ça. Alors, je vais ouvrir le paquet. Voilà. Oui. Donc, elle m'en a mis plusieurs. Hein. Ils sont pas mal. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, Fifi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est d'action ou d'ailleurs. Ensuite, alors je les trouve trop mignons, des washi, alors spécial Halloween, hein, avec des têtes de mort, avec des petits chats, tout mignons. Celui-là aussi est très beau. Des petits thé anglais, breakfast English. Là, alors. Toup, toup, toup. Ça y est, on va. Allez, viens là. Ça y est, on va remettre la vignette. Donc, des fleurs. Oups. Oups, là, ça s'en va. Des fleurs en papier, des oranges et des roses, vieux roses. Je vais peut-être baisser pour vous les montrer. Voilà.
et des petites fleurs en bois. Voilà. Ensuite, un petit pochon avec plein de petites choses. Alors, je vais vous les montrer comme ça parce que c'est petit. J'espère que vous les verrez. Voilà. Plein de petits. Ouais, c'est des sequins, mais des sequins d'Halloween. Vous voyez? Alors, il y a des araignées, il y a des petits fantômes, il y a des croix, il y a des citrouilles, il y a des fantômes. Ils sont super beaux. Trop chouette. Voyez. Superbe. Ensuite, des découpes. Donc elle m'a gâté. Hein. Ça, c'est toujours galère à ouvrir ces sachets. Je sais pas si vous avez remarqué, mais allez, ouvre-toi, voilà. Alors, des découpes, donc des petites têtes de mort, voilà, avec les nonos qui vont avec, hein, qui vont bien avec. Là, des chats, des renards, bon, plutôt un renard ça, là c'est des chats. Voilà, donc des chats assis. Couché. Celui-là, vous l'avez vu. Les chats debout. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Et des toiles d'araignée. Voilà. Super. Je voulais faire des cartes pour Halloween. Je vais pouvoir. Il serait temps parce que. Et là, je suppose que c'est des chocolats. Oui, je pense que c'est des chocolats. Voilà. Deux petits chocolats. Un billet de 50 euros. Et un 500 euros à manger. Voilà. Donc, ça, c'était les petits goodies qu'il y avait dans la pocket letter. Et elle m'a ajouté... Alors... Dans une petite enveloppe, des dentelles, je trouve super belles. Donc, celles-ci en marron, elles sont trop belles. Voilà, celle-là en écru, celle-là elle est belle aussi. Celle-là en verre d'eau. Des glitters arabesques dorés, et des rubans comme ceci, et une petite carte, voilà, qu'elle a fait elle-même également, toute mignonne. Voilà. Avec un petit mot, mais ça, le petit mot, c'est à moi. Bon, elle me dit que Halloween, c'est pas trop son truc. Elle a fait de son mieux. Ben, c'était très, très bien. Voilà, c'est bien depuis le mois de mai qu'elle s'est mise au scrap. Et c'est grâce à moi. C'est par une de mes... Elle a visionné la première vidéo qu'elle a visionnée, c'est une des miennes. Alors je suis encore plus contente d'avoir donné envie de faire le scrap. Bah écoute Laetitia, encore un grand merci. J'étais super heureuse pour notre échange. Comme on se disait hier, pas de problème pour un prochain échange. Et puis voilà. donc là, je vais vous remettre en lien donc sa chaîne. Comme ça, vous pourrez. Elle a sa chaîne depuis pas très longtemps, donc elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés.
Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous y abonner. C'est une chaîne où elle montre ses créas et aussi sa petite fille montre quelques créations. Voilà. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite, à vous abonner également. Je vous retrouve très très rapidement avec une nouvelle vidéo pour un concours que j'ai gagné sur Facebook, bon, qui n'a rien à voir avec le scrap, mais bon, ça, je vais leur faire un petit coup de pub en leur montrant, en vous montrant ce que j'ai gagné. Et ma réponse, parce que bon, j'ai déjà eu pas mal de questions pour le FAQ Live qui aura prochainement, mais je vais déjà répondre à une question. On m'a posé plusieurs fois la question, à quand la page 8 du grand album? Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vais le faire là ce week-end, le filmer, le finir ce week-end. Je vais même essayer de filmer la fin, enfin la mise en place de l'album, enfin le comment je cherche mes mots. Maintenant, saler mes pages dans la couverture, je trouve plus mes mots. Je suis désolée, j'ai eu des mauvaises nouvelles ce matin au niveau santé, donc c'est chamboulé dans ma tête. Et c'est pour ça que la page 8 n'est pas encore faite. J'ai eu une très mauvaise semaine, donc voilà, j'ai pris du retard, je m'en excuse, Fifi, s'il te plaît, je m'en excuse, mais bon, début de semaine, vous aurez la suite de l'album et la fin, pour la semaine prochaine, vous aurez tout, voilà, excusez-moi encore pour le retard, mais vraiment, j'ai... c'était vraiment pas top. J'ai pas de bonnes nouvelles niveau santé en ce moment, donc j'en ai pas encore eu ce matin, donc voilà, mais bon, on va se rattraper. Allez, je vous laisse, mais je voulais absolument répondre déjà à cette question pour pas vous faire attendre. Bon, Fifi, elle commence à m'embêter là. je vous laisse donc pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Laetitia, je te fais de plein de gros bisous supplémentaires. Encore un énorme merci pour cet échange que l'on a fait. Et on se retrouve toutes très très rapidement donc pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.